Présent au casting du soap Les Feux de l'Amour depuis un an, Richard Burgi, bien connu des fans de The Sentinel et Desperate Housewives, a révélé avoir été viré il y a quelques jours en raison d'une violation des règles anti-Covid de la série. Comme d'autres séries avant elle, Les Feux de l'Amour vient de faire les frais de l'épidémie de Covid-19 qui sévit depuis maintenant 2 ans. En début de semaine, le comédien Richard Burgi, Desperate Housewives, The Sentinel, annonçait, dans un message posté sur les réseaux sociaux, son départ de la série, moins d'un an après avoir rejoint le casting du soap à succès dans le rôle d'Ash Langlock. Je veux vous remercier, vous tous qui avez été si gentils, généreux, et m'avez apporté votre soutien, déclarait alors Richard Burgi dans un post à destination du public. Cette année au sein des Feux de l'Amour a été superbe, remplie de comédiens et d'une équipe géniaux. Le site Soap Opera Digest révélait alors au même moment que Burgi serait remplacé par le comédien Robert Newman, Guiding Light, qui ferait sa première apparition à l'écran dans le même rôle en février aux États-Unis sur CBS. Et alors que les raisons du départ de son prédécesseur restaient inconnues, Richard Burgi a fini par s'expliquer sur Instagram, dans un message relayé par TV Live. Et c'est une erreur de sa part, liée aux mesures mises en place par la production pour lutter contre le Covid, qui a mené à son renvoi de la série. Je veux mettre les choses au clair. Ma femme a expliqué que c'était le choix de la production, ce qui est vrai. Mais la vérité est que j'ai naïvement et par inadvertance violé le protocole anti-Covid de la série. Richard Burgi poursuit en révélant avoir été testé positif au Covid-19 durant les fêtes de Noël et s'être confiné durant 5 jours, comme recommandé par les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, avant de retourner au studio et de se faire tester négatif 2 fois afin de reprendre le travail. Malheureusement pour lui, la production des Feux de l'Amour impose un délai d'isolement plus long. Le protocole que j'ai adopté ne suivait pas les règles de la production, qui exigeait un confinement de 10 jours avant la reprise du tournage, poursuit le comédien. J'ai violé sans le vouloir les règles anti-Covid de la série. Je me suis senti très mal, et c'est encore le cas aujourd'hui. Cela m'ennuie vraiment, mais c'est comme ça. Je respecte la décision de la production. Ils font de leur mieux, comme nous tous. Je souhaite le meilleur au comédien qui va jouer. Il va tourner avec une excellente actrice et un ensemble de comédiens merveilleux. C'est une superbe série, je ne garde que de très bons souvenirs de cette aventure. En France, les épisodes des Feux de l'Amour avec Richard Burgi ne seront pas diffusés avant 2023 sur TF1.